Señor Presidente. What can true Yarans do to serve Yara? True Yarans have long memories. We remember how so-called civilized nations treated us when we needed them most. Are you concerned about the terroristas who call themselves Libertad? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur tout ce que l'on sait à propos de Far Cry 6, un jeu ultra attendu et qui sort dans seulement quelques jours. C'est parti! L'intrigue de Far Cry 6 prend ainsi place sur l'île de Yara, une île fictive des Caraïbes largement inspirée de Cuba et dirigée d'une main de fer par Anton Castillo, incarné d'ailleurs par le célèbre Giancarlo Esposito, un dictateur sans foi ni loi au plein pouvoir et bien décidé à rendre à sa nation sa grandeur passée. En effet, Anton considère que depuis la fin du règne de son père, assassiné il y a une cinquantaine d'années par des révolutionnaires, le pays a tout doucement sombré dans le chaos et la crise économique. Pour remédier à cela, Anton Castillo n'hésite pas à sacrifier son propre peuple pour faire croître rapidement la production de Viviro, un traitement anti-cancer décrit comme révolutionnaire qu'il souhaite ainsi développer et utiliser comme monnaie d'échange avec le monde entier. Dans le même temps, Anton souhaite également préparer et faciliter l'accession au pouvoir de son fils Diego, un jeune homme de 13 ans qui, bien qu'il admire profondément son père, se pose bon nombre de questions sur les agissements de ce dernier et sur son envie de lui succéder, car il a le sentiment profond que quelque chose n'est pas juste. Une position qui va faire du jeune homme un personnage tout aussi important que son père dans la suite de l'aventure. C'est dans ce contexte de dictature et d'affrontement entre la population et les forces de l'ordre que vous incarnerez Dani Rojas, un enfant de Yara et ex-soldat de l'armée de l'île qui a personnellement fait l'expérience du règne brutal d'Anton Castillo. C'est après le choix du sexe de votre personnage que vous subirez une nouvelle attaque menée par le dictateur à bord du Sandroudas, un bateau en partance de Yara. En tant que seul survivant, vous chercherez ainsi à vous venger et rejoindrez Libertad, un groupe de combattants unis pour la révolution, afin de libérer cette terre du joug d'Anton Castillo et de sa corruption. Vous vous joindrez ainsi à ces révolutionnaires et établirez un premier camp de base sur la petite île d'Isla Santuario, qui servira ainsi de point de départ à l'aventure et de zone de tutoriel. Vous ferez ainsi très vite la connaissance de divers groupes locaux et personnages secondaires très importants pour la suite de l'histoire et dont il faudra gagner la confiance pour ralentir l'emprise des Castillo, tels que Clara Garcia et Juan Cortez. Clara est une ancienne journaliste qui est à présent à la tête de Libertad et tente par tous les moyens de retourner le régime d'Anton, tandis que Juan est un ancien agent du KGB, reconverti en spécialiste de la révolution et génie de la bricole, qui donnera d'ailleurs accès à Dani à de nombreuses armes, mais nous reviendrons sur ce point plus tard dans la vidéo. L'intrigue de Far Cry 6 reprendra ainsi les bases de l'ADN de la série, en mêlant fun et humour d'un côté, et maturité et violence de l'autre, tout en vous faisant voyager aux quatre coins de l'île, dans diverses régions à la diversité culturelle et environnementale importante, telles que la jungle, les champs, la mer, la montagne, mais aussi la ville, puisque vous pourrez visiter différents villages, et même une énorme capitale du nom d'Esperanza. Un terrain de jeu plus vertical, aux multiples chemins et cul-de-sac, et abritant une milice bien mieux équipée et plus puissante que sur le reste de l'île. Afin de gagner en immersion, ce Far Cry 6 vous laissera la possibilité de customiser votre personnage et proposera des cinématiques à la troisième personne, permettant ainsi de visualiser les dernières modifications faites à l'apparence de votre héros. De plus, le jeu accueillera un cycle jour-nuit et des missions moins dirigistes, laissant un peu plus place à l'observation et à la recherche, comme lorsque vous devrez trouver votre objectif en vous référant à une photo présente dans votre téléphone. Enfin, sachez que Far Cry 6 sera entièrement jouable en coop, que ce soit le contenu principal ou secondaire, et que la progression sera sauvegardée pour les deux joueurs. Côté gameplay, ce Far Cry 6 ne va clairement pas réinventer la formule qui a fait le succès de la série, mais devrait tout de même proposer quelques ajustements et nouveautés. Yara constituant la plus grande zone jouable jamais créée pour un opus de la franchise Far Cry, l'exploration fera bel et bien son retour et proposera de se déplacer de différentes manières. À pied, à la nage, en escaladant à main nue ou avec votre grappin, à cheval ou au volant de différents véhicules à la conduite toujours très axée arcade, tels que des voitures, des buggies, des camions, des bateaux, ainsi que des tanks et des avions. Attention cependant à ce dernier point, puisque Yara se trouvera dans une zone d'exclusion aérienne tant que vous n'aurez pas détruit tous les canons de DCA de la milice. Far Cry 6 étant un open world, vous pourrez pareillement vous adonner à diverses activités telles que la chasse, la pêche, la destruction de biens ennemis, la capture d'avant-postes ou tout simplement visiter calmement les ruelles d'Esperanza, puisque vous aurez à présent la possibilité de rengainer votre arme pour ne pas attirer l'attention, voire même de soudoyer quelques gardes pour accéder à des caches d'armes ou glaner de précieuses informations. A l'instar de Far Cry New Dawn, il sera également important de récupérer diverses ressources éparpillées sur toute l'île et utiles à la progression de votre personnage, comme du plastique, du verre, des vis ou encore des composants électroniques. Au niveau des combats, là encore, on reste dans le classique pour la série. Vous pourrez miser sur l'infiltration et ainsi éliminer silencieusement vos ennemis à l'aide de votre machette, de votre arc ou de votre arbalète, après avoir exploré les souterrains, marqué vos ennemis à l'aide de votre téléphone ou saboté les alarmes de la zone. Vous pourrez pareillement miser sur les gunfights aux bonnes sensations de tir et vous laissant utiliser de nombreuses armes et explosifs allant du fusil à pompe à la mitrailleuse en passant par le lance-flamme, le lance-roquette ou encore le fusil de sniper. L'ensemble de ces pétards pourront être améliorés en échange des ressources évoquées plus tôt en vous rendant dans un des nombreux établis de l'île. Les développeurs ont également souhaité ajouter un aspect revolver au jeu puisque vous pourrez aller à la rencontre de Juan Cortez et ainsi faire l'acquisition d'armes beaucoup plus exotiques et fabriquées à la main grâce à des objets du quotidien. Ainsi, vous pourrez vous munir d'un lance-CD ou encore utiliser un petit baril d'essence comme silencieux sur votre fusil. Au rayon des nouveautés, Juan Cortez pourra également vous fournir des Supremos, des sortes de sacs à dos aux capacités uniques, comme une bombe IUM, des flammes tout autour de vous et le lancement de plusieurs roquettes. Une arme très utile pour venir à bout de nombreux ennemis en même temps. Enfin, vous pourrez une nouvelle fois être accompagné des amigos, des animaux prêts à en découdre avec les soldats ennemis, comme Guapo le crocodile, Chicharron le coq et Chorizo le chien. Durant les phases d'accalmie, vous pourrez pareillement vous rendre dans les avant-postes de guérilla, des lieux incarnant pleinement l'ingéniosité et la philosophie revolver de la guérilla. Vous pourrez ainsi faire évoluer ces avant-postes en y ajoutant des vendeurs d'armes et de divers équipements, et ainsi profiter des offres du marché noir pour améliorer votre arsenal et accéder à des véhicules bricolés et bien plus rapides que ceux présents sur l'île. Ces avant-postes pourront également vous permettre de vous détendre en prenant part à des mini-jeux ou en discutant tranquillement avec des PNJ dont certains pourront vous proposer des quêtes secondaires. D'un point de vue technique, les diverses séquences de gameplay qu'il nous a été possible d'admirer témoignent de graphismes de qualité avec des textures fines et des effets de lumière convaincants, couplé à un aliasing très peu présent et à une palette de couleurs variées rappelant parfaitement les paysages cubains. En revanche, les versions console de Far Cry 6 ne prendront pas en charge le ray tracing. En effet, les développeurs ont préféré se concentrer sur l'objectif du 4K à 60 fps et ont donc décidé de ne rendre cette option accessible qu'aux joueurs PC. Autre point négatif, la modélisation des visages et les animations faciales paraissent en deçà des standards actuels du AAA, à voir si cela sera amélioré d'ici la sortie du jeu et si cela n'aura pas d'impact sur l'immersion. Comme c'est généralement le cas pour les jeux d'Ubisoft, ce Far Cry 6 sera proposé sous 4 versions différentes. Une édition standard, une édition gold, une édition ultimate et une édition collector. De plus, le Season Pass, qui sera intégré dans l'ensemble des éditions non standards, permettra de regoûter aux grandes heures de la franchise en faisant la part belle aux méchants tels que Vaas, Paganmin et Joseph Seed, puisque ces derniers seront jouables à travers des épisodes scénaristiques inédits afin d'en apprendre encore un peu plus sur eux et sur leur passé. Sachez d'ailleurs que si vous souhaitez vous procurer le jeu sur Xbox One ou PS4, l'upgrade vers la version Xbox Series ou PS5 du jeu se fera totalement gratuitement. Malheureusement, ce sixième opus n'accueillera ni mode multi ni mode arcade et se concentrera uniquement sur l'expérience solo et coop. Far Cry 6 est donc prévu pour le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant le test qui paraîtra dans les prochains jours sur la chaîne, je vous invite à aller voir la preview de Momo qui a pu passer près de 6 heures sur le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la commenter, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de Jeux Vidéo Magazine. Le numéro 249 est d'ailleurs disponible depuis quelques jours dans sa version standard et dans une version à 9,95 € comprenant le jeu The Elder Scrolls Online sur PS4 et PS5. C'était Adrien pour JVM, à bientôt.